Coucou les gars, on se réveille ce matin avec une théorie. Donc, tout à l'heure, on va vous expliquer réellement ce qui se passe avec Brenda Bia. C'est que Brenda Bia manigance. Donc, je vais vous laisser mon bébé décortiquer. Écoutez bien ce qui se passe parce que nous sommes les personnes LGBT. On prend le temps d'écouter. On prend le temps d'écouter. Si on fait cette vidéo, c'est par rapport à la deuxième sortie que Brenda fait, en fait. Parce que ça n'avait pas lieu d'être, ça n'avait pas sa place. Parce que hier, on a pris la peine d'écouter les Partie deux par partie. parties par partie et mot pour mot de Brenda Bia, sa sortie qu'elle a faite concernant sa copine. D'accord? Donc, je laisse mon bébé, il commence à vous expliquer. Bon, les gars, bonjour. Moi, vous connaissez toujours ce qui te ferait. Nous, on n'a plus le temps d'analyser un peu la vidéo. Parce que j'ai fait ma vidéo, la vidéo que vous voyez dans mon compte, je l'ai fait bien avant la sortie de Brenda, mais je ne pouvais plus la détruire au fait. Donc, je l'ai balancée parce qu'il défendait les droits des LGBT là-bas, c'est normal. Mm-hmm. J'ai pris aussi son côté parce que je me disais que la population, surtout le peuple camerounais était vraiment contre elle. Donc, je voulais comme on la laisse tranquille. Mm-hmm. Bon, hier, elle a donc fait sa sortie pour expliquer un peu les détails de ce qui s'est passé. Brenda, Marissé, tu es wise, non? Mais n'oublie pas que nous tous nous sommes les camps et nous sommes dans ce monde. C'est peut-être pour les hétéros que tu vas les bénir, ça va passer facilement. Ouais. Tu comprends un peu, non, Marissé? Comment tu peux venir sur la toile? Tes photos fuites. Tu dis que c'est ta femme qui a publié parce qu'elle est prostituée. Elle vient d'un endroit sale. Rien que ça montre déjà que tu as un véritable problème toi-même. Tu comprends un peu? Tu ne peux pas venir sur les réseaux exposer ta nga quand ça a cuit. Pourquoi? Dans ta story time, quand tu commences, tu dis que tu vas dire que ton commu a ta tournée vinaigre. Tu dis que tu es parti au Cameroun. Au Cameroun, les disputes ont éclaté avec ta go. Quand ça éclate avec ta go, elle te barre. Toi maintenant, tu remarques sur Genève. C'est ça qui précipite ton départ du Cameroun, si on comprend bien. Tu as juste fait 3 jours. Tu bats maintenant du co. Tu arrives à Genève. Tu essaies d'arranger la situation avec la go. Toi-même, tu dis au début que vous ne vous êtes pas vu par message. Vous avez essayé d'arranger la situation, mais vous n'avez pas trouvé d'entente. Donc, pour reconquérir ta go, c'est toi qui fais ton coming out. Tu passes sur Instagram. Tu passes sur Instagram, tu balances la photo où tu embrasses l'anga. Non, en te disant que tu vas reconquérir ta go, mais tu constates qu'elle a tellement peut-être supporté certains ouais qu'elle ne veut plus. Donc, elle a donc dit que tu affiches la photo ou pas. Je ne suis pas peut-être dedans. Ça, c'est le goumen. Je m'en fous. Bébé, ça, c'est le goumen. Explique-nous, Brenda, combien de filles avec qui tu as passé près de 8 mois. Ça veut dire que si elle avait décrit ta vie, il y a que la vidéo que tu es sortie avec elle peut décrit ta vie. Parce que si elle était là vraiment en tant qu'indique, ça veut dire qu'elle a pris des choses sur toi qui peuvent. Très important. Même les appels par rapport à ta famille, même. Qui peut te nuire, toi et ta famille. Qui peut te nuire, toi et ta famille. Ça peut te faire comprendre que ce que tu dis là, tu mens. Et en conclusion. Attends, il n'est pas encore fini, Ben. Deuxième encore. Tu dis que c'est la fille qui a publié vos nudités dans ton Instagram. Alors que tu dis que la fille t'a plaqué. Vous n'étiez plus ensemble. Comment elle a fait encore pour avoir ton Instagram jusqu'à balancer les photos? Et moi, maintenant, tu as la théorie que toi, tu as toi, fait. Toi, tu as fait. Tu as fait. Écoutez. Ceci. Tu as fait ton coming out. C'est sorti, tu pensais reconquérir la go. Mais comme tu as vu que ça a cuit, que la go n'était plus avec toi, tu étais là devant le fait accompli. Qu'est-ce que tu peux faire alors? La fille est non-name. Elle n'est pas l'enfant d'un président. Elle n'a pas les dons. Elle vient du famille. Moi, comme tu dis, comme elle vient d'une famille sale, elle se prostitue. Je ne défends pas la fille. Elle. Non. Mais je parle selon ta théorie. Ta théorie. On va te dire. Moi, je te dis dans ce que toi, tu as fait. Ce que tu as fait. Tu as fait ceci. Partager cette vidéo. Partager cette vidéo. Écoutez elle. Ça bien. Partager. Voilà ce que toi, tu as fait. Quand tu fais ton commis, tu vois qu'on mouillé, c'est mouillé. Ça, il y a cuit. Ça a pris une ampleur que toi, mais tu ne pouvais pas. Tu ne t'attendais pas. Tu te disais que non, c'est seulement pour reconquérir la gosse. Ça va aller vite fait. Qu'est-ce que tu fais maintenant en tant que fille du président? Tu viens là avec ton image. Ton image. Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que toi tu fais maintenant? Tu balances vos propres vidéos que je vais te dé... En passant que tu vas détruire la fille. Vous voyez, les gars, écoutez la théorie. Nous sommes les sachant que la fille vient d'une famille précaire, c'est une prostituée, comme tu dis, et elle s'en fout. Elle s'en fout. Ça ne lui fait rien. Ça ne lui fait rien. Et toi maintenant, tu profites. Toi maintenant, tu profites de la situation. Comme je me suis affiché, qu'est-ce qu'elle peut faire pour. Laver mon nom. Bon, je publie la sextape de la fille. Et j'accuse la fille. Parce que si j'accuse la fille, elle ne pourra pas venir sur les réseaux sociaux s'exprimer. Elle ne parle pas bien français. C'est une non-name. Elle n'est pas la fille d'un président. Et moi, je pense que dans cette histoire, il y a chantage. Chantage.
Brenda, tu as voulu faire cette histoire comme un chantage, que ça t'a fallu au cou. Tu es, on précise bien d'abord, tu es LGBT. Nous, on défend les droits des LGBT, mais on ne défend pas la diffamation des LGBT. Oui. Brenda, parce que tu ne peux pas me dire que tu sortais avec une prostituée depuis 7 mois. Depuis 7 mois. Elle te manipulait, tu ne peux pas dire. Tu l'as rencontré où ça? Mais que toi-même, tu fréquentes les faux emplois. Si on comprend bien, donc c'est une escorte girl avec qui tu vis. Bah, tu dis qu'elle est prostituée depuis 7 mois, elle fréquente des endroits sales, tu connais. Ça veut dire que c'est une escorte. Ça veut dire que toi, tu fréquentes ces mêmes endroits. Ces mêmes endroits. Ça veut dire que tu ne peux pas dire que la fille là t'a affiché, frère. Mm-hmm. Et là où je te dis encore, que, quand vous parlez souvent, réfléchissez. Partager. Comment la fille ça, te bat? Tu dis que tu as essayé d'arranger les problèmes. Oh, toi-même, tu as affiché la photo. Elle a fait comment pour avoir ton téléphone? Ça, vous êtes jusqu'à publier, alors que vous n'êtes plus ensemble. Toi-même, tu le dis qu'elle t'a barré depuis le Cameroun. Tu as voulu arranger les choses, elle n'était plus là. Et maintenant, te tape 5 Brenda. Soit tu fais ça pour de la musique. Oui, parce que ton son est sorti soit deux jours. Soit il y a une histoire de chantage. Parce que ton son sort deux jours après ta sortie. Oui, on va se poser après, des questions. On va se poser des questions. Ce n'est pas une étape de transition. Étape de transition. Ou bien c'est le buzz de la musique ou c'est quoi? Parce que nous, tu peux amadouer tout le monde. Mais les nous, hétéros là, mais nous là. Les hétéros, nous. Surtout qu'il était faré, tu ne peux pas. Parce que ça là. Les gens ne vont pas avoir le courage de parler. Les gens ne vont pas avoir le courage de parler, mais nous, on dit ce qui est vrai. Je vous dis, les gars. On te supporte en tant que LGBT. Mais tu peux un peu trop loin. Tu peux un peu trop loin. Brenda Bia, tu pars trop loin. Soit c'est ta sortie. Ta sortie n'avait pas sa place. Même si la fille t'a manipulé, tant qu'elle n'a pas fait une sortie pour te décrire, pourquoi parce tu sors? Elle dit tantôt, ça fait 7 mois. Et je vais encore te dire, tout ce que tu as dit dans ta vidéo, si tout. Les gars, allez dans le compte de Shakiro. Shakiro a parlé avec Brenda Bia. Et ce que Brenda Bia a dit là, c'est mot pour mot. Moi j'ai vu les captures. Shakiro a dit mot pour mot. Ça veut dire quoi? Elle a été conseillée que tu dois faire ça, tu dois faire ça pour laver ton image. Laisse fille d'un président. Mais moi je dis, ça ne marche pas chez nous les LGBT. Non, on ne va pas détruire une personne pour vous faire plaisir. On ne va pas détruire une personne pour vous faire plaisir. Brenda, tu sais ce que tu trafiques, tu sais ce que tu fais en fait. Mm-hmm. Soit c'est pour ta musique, soit une histoire. Il y a une histoire de chantage en tant que bébé. Chantage affectif. Chantage affectif. Vu que toi, tu fréquentes ces milieux que tu entends dire, apparemment, tu fréquentes les escorts girls. Parce que si cette fille, c'est une danseuse, elle se prostitue et tout, tu l'as trouvée. Jusqu'à ce que tu viens bien d'un milieu sale pendant 7 mois, tu dis bien que tu as vécu l'amour. Tu te lèves un matin, tu viens la gosse que tu as léché, tu viens parler comme c'est ça. C'est comme peut-être moi et Farah, on a 15 ans de relation, deux mois après demain ça finit, je viens m'asseoir, Farah vient s'asseoir pour cracher que c'est pendant 15 c'est ans. C'est pour ça qu'on dit que tu es le problème. C'est ça qu'on dit que tu es le problème, Brenda. Vérifie-toi-même. Vérifie-toi-même, tu es le problème. Et encore, tu as encore indexé une de tes amies dans cette affaire. Mm-hmm. Ça veut dire quoi? Tu fais de la, tu dis que c'est la fille qui a publié, mais la fille qui vous snap là, qui parle dans la voix où tu t'embrasses avec ta copine là, c'est qui? Qui te dit qu'elle-même elle ne peut pas le faire? Faut se poser les bonnes donc, questions. Les gars, la ça veut dire que vous n'étiez plus intime. Quand il y a une troisième personne, c'est le diable. C'est le diable. Ça, ça veut dire qu'il y avait une histoire de tréteau. Oui. Mais qui te dit que ta copine n'était pas amoureuse de toi? Quand il y a une troisième personne, parce que je ne peux pas, moi, m'amouracher, faire l'amour avec mon bébé et puis une troisième personne qui filme quand je gnoppe ça avec mon bébé. Je vous dis, soit Brenda Bia monte toute cette histoire, elle est avec sa copine pour le buzz de la musique. De la musique. Soit il y a un chantage affectif à l'intérieur. Ouais, bah, elle sait que la fille n'a pas de possibilité de s'exprimer parce qu'elle est personne. Elle veut laver son image. Il faut laisser ça à Brenda. Moi, je n'encourage pas les communautés. On n'encourage pas ça à Brenda. Les gars, réfléchissez. Voilà ce qu'on vous a dit. Réfléchissez. Voilà ce qui s'est passé exactement. Mm-hmm. On ne discute pas. Mm-hmm. Voilà.